Eh bien, bonjour à tous, c'est Dan08 pour un nouvel épisode de ma Master League sur PES 2014. Donc voilà, hein, la suite directe hein, des matchs précédents avec le club RCD Espagnol contre Almeria. Allez, on va lancer donc ces matchs de championnat. C'est parti. Alors. On va voir la composition d'équipe. Alex, Manu, Angelo. Je crois qu'Angelo va pouvoir remplacer un peu Wanyama. Alors, il y a un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode sur PES 2014, hein, comme je vous avais dit précédemment sur mes let's play de Destiny. Évidemment, en ce moment, c'est vrai que je fais beaucoup de Destiny, donc c'est vrai que. Bon, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas délaissé PES pour autant, hein, la preuve. Voilà le nouvel épisode. Donc je crois qu'on s'apprêtait à jouer des très 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 gros clubs. Je crois qu'après Almeria, normalement, il devrait y avoir des gros matchs. Hein. On va regarder ça, mais je crois qu'après, il y avait des gros matchs. Après Almeria, on avait, oui, on avait Grenade, on avait Real Valladolid, et après on a. Ouais, voilà. Donc on a encore. Encore un épisode et après on a des gros matchs. Hein. Donc, ça va être très intéressant ça. Je suis très content de pouvoir reprendre un petit peu ma Master League. Il est important d'avancer parce que dès la sortie de PES 2015, hein, évidemment, je referai une Master League sur PES 2015. Mais j'ai pas encore décidé avec quelle équipe. Hein. Ça, malheureusement, j'ai pas encore tout à fait décidé. Voilà, plan de jeu, coup d'envoi. Bon, bleu contre rouge, ça va le faire. Allez, c'est parti pour ce match contre Almeria. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'enchaîne pas mal d'épisodes sur Destiny, donc ne m'en voulez pas si les épisodes de ma Master League mettent un petit peu plus longtemps, mais vous en faites pas, hein, j'ai pas abandonné pour autant. Cette Master League. Surtout qu'en plus, nous avons des gros matchs à jouer bientôt. Donc, raison de plus pour continuer. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi, je prends toujours énormément de plaisir. Allez, c'est parti. Match de championnat. Le retour du RCD espagnol. Enfin, enfin. C'est parti, on va lancer le match. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, ça devrait plutôt être correct pour le moment. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un bon match contre Almeria. Et c'est parti pour ce match. Allez. Donc il y a un moment hein, que j'avais pas joué. À PES, donc il va falloir une petite période d'adaptation parce que c'est vrai que quand ça fait un moment qu'on joue pas, ça fait toujours un peu drôle. Donc j'espère que je serai à la hauteur pour ce premier épisode en tout cas. Voilà, Caicedo. Eh bien, apparemment, je le suis. But de Caicedo. Et voici l'ouverture du score. L'ouverture du score du RCD espagnol. Eh bien, dites-moi, on est plutôt bien rentré dans ce match. Et voilà qu'il se replace dans la course pour le Espagnol! titre de meilleur buteur. C'est bien ça. Belle ouverture du score de Caicedo. C'est bien. Toujours dans notre dynamique. Caicedo qui prend de plus en plus de dimensions dans cette équipe. Facilement la différence là. Le gardien qui ne peut rien faire. Très belle ouverture du score, je suis content. Allez. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide Faut dans ce continuer à match. fournir nos efforts. Rétorger. Il faut la récupérer là. Allez, c'est parti.
Allez, vas-y, il faut y aller, c'est bien ça. Belle interception de balle. Colotto. Alvaro González. Ah, ça fait plaisir un petit peu de reprendre ma Master Simão. League. Je vous avouerai que ça fait du bien. Alvarez. Simão. Bien joué ça. Il Première peut tirer. intention, frappe de Caicedo. Et deuxième but pour le RCD espagnol, Deux buts d'avance. doublé de Caicedo. Magnifique. Et voilà sous nos yeux un Très magnifique très bon début décrochage de pour la match Real. de l'Espagnol Barcelone. Magnifique. C'est bien ça. Bravo Caicedo. Très efficace. Je pouvais même la donner encore à Tanger sur le côté. Toujours des solutions, c'est bien ça. Allez, on continue, on lâche pas. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Allez, C'est un but Tanger. qui fait du bien. Oui, c'est bien Tanger, Il allez. peut pas venir. Oui, c'est bien. Il est seul, il peut frapper. Attention. Et le drapeau s'est Ah, levé. dommage, dommage. Une petite position de hors-jeu, dommage. Ah, c'est dommage. Ah là, on est vraiment très très bien rentré dans ce match-là. Ça me surprend même moi-même. Attention, bien Oh, joué. cette attaque n'ira pas plus Belle loin. interception. Oh, allez. Carlos Saucedo. Oh, ça peut être intéressant. La frappe peut-être. Oh, Tanger, Tanger, vas-y. Continue. C'est bien ça. C'est bien. Oh, quel geste. Un bon centre dans la surface. C'est une frappe. Oh là là. Oh là Et là le là là. gardien Dommage, qui dommage, tente dommage, de dommage, contrer dommage. et remporter coup de chance. C'est Eh ben, magnifique. dites-moi. C'est très 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 bouillant, Almeria qui a beaucoup beaucoup de mal à défendre. Vous êtes Et gâtés voilà, pour ça ira pour le l'instant, il y a bout. beaucoup beaucoup de choses Non, là, ça ne passera pas. à voir. Je suis très content de moi là. C'est passé. Il peut y aller. Belle Et c'est combinaison, parti. oh là là, pour le Nouveau troisième but dans but. ce match. Sergio Ils ont Garcia. désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO du combat. Magnifique. Il remporte son duel avec le Eh gardien ben sur ce geste dites-moi, on n'a parfait. pas repris la Tout Master le League terrain pour rien. réagit avec lui. Quel instinct de buteur. Ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien de prendre autant de plaisir comme ça. Une très belle équipe du RCD espagnol, vraiment. Je suis vraiment vraiment chanceux de. L'efficacité de ce club, de ses joueurs surtout. Magnifique troisième but. Oh là là, Almeria qui aura beaucoup de Le mal match reprend à revenir 3-0 au tableau maintenant. d'affichage. Allez, Tanger. Il faut défendre là. Oh, c'est bien joué ça. Ah, c'est Sur le intercepté. côté, tout de suite. Il Oh écarte le oui. jeu. Oh, magnifique. Il est servi. Il peut conclure. La Oh frappe. là là là. Oh là C'est là 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 repoussé. là 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 là. Bien Encore une joué, le fois. gardien. Le contrôle était un peu Très manqué. belle C'est occasion là, compliqué le pour lui. gardien qui la détourne au dernier moment. Oh là, qui met la main. Aïe 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 aïe. Almeria qui a beaucoup beaucoup de mal. Tanger. Il va s'en charger. Il est fort pour frapper les Allez, corners. Tanger. Et il y va de la tête. Oh, le duel important. Ça sent la frappe. Il frappe au but. Oh, ça peut être intéressant. Oh là 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 Et là voilà le but. là. Oh là, c'est une correction, une démonstration, une fessée. Bref, ça fait mal. Vraie correction même. Quel Quel énorme enchaînement de match paras pour le gardien. de l'Espagnol Barcelone. Première mi-temps plus qu'incroyable. On est efficace. On récupère bien les ballons, on les récupère très haut surtout. Et on concrétise bien nos occasions. Ça, c'est une très bonne passe. Ça, elle est même pas en jeu Tanger là. Magnifique but. Oui, bah dites-moi. Ça fait déjà 4 à 0. On est même pas la demi-heure de jeu. Et désormais, ils C'est sont énorme. intouchables. C'est un ballon qui n'ira nulle Oh là là part. là là. Il y a beaucoup de joueurs par terre Il est là. On va se servi. mettre en difficulté. Il récupère le ballon. On va essayer de faire tourner un peu parce que Almeria Alvaro souffre. González.
but c'est pas de gagner 10-0, c'est pas mon Attention à cette intention. passe lobée. Intervention Oh là là décisive là et là 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 danger. là, perdre des ballons dans cette zone-là, Meria se met en danger vraiment facilement. Voilà, Et là, il y avait ça clairement c'était une faute. faute vraiment inutile. Et l'arbitre va Eh oui. sortir un carton jaune normal, Eh justifié. oui, Maintenant, il c'est faut se vraiment une faute méfier, le rouge n'est inutile. pas loin. Là c'est Non mais, il faut réfléchir avant de Ouais. faire des gestes comme ça. Vraiment inutile là, Simao, faire ça. Surtout qu'en plus, le score est suffisamment à notre avantage pour éviter ce genre de Longue faute-là. ouverture. C'est vraiment inutile. Allez. Par contre, dans le jeu là, il faut répondre présent. Voilà. C'est bien. Belle récupération. On fait Alvarez. tourner. Alvaro González. Mané. Danger. On n'aurait même plus à la limite même. Eh oui, il faut, Oh, il qu'est-ce qu'il y a faut. encore? Faute de qui? C'est qui fait faute là? Ah oui, d'accord. Là, je comprends mieux. Oh, c'est dommage. Ah, il manque un petit peu de puissance, cette passe là. Faut que ça va partir vite. Bien joué, Tanger. Allez. Sergio Garcia Bien maintenant. joué, Sergio. Je crois qu'on va pouvoir faire tourner là. Je vois pas Alvaro l'utilité de faire González. jouer 90 minutes Quelle à portée Caicedo et magnifique à dans Sergio l'action. Garcia là. Mais Tanger aussi. Je crois que même Choloto. à la mi-temps, hein, on va pouvoir même faire sortir Alvarez. ces joueurs cadres. Pour faire rentrer un petit peu d'autres Alvaro joueurs. C'est González. bien ça. Ça, c'est bien joué Danger. aussi. Tanger, regarde, fais un appel. Ouverture en ligne de Voilà! corner. Il peut y Ça c'est bien aller. joué aussi. Il est en bonne position pour Anticipe un centrer. peu. Il n'a que l'embarras du choix. Oh là là, y a pas péno Aïe, là? aïe, aïe, le contrôle, il a Y a carrément pas offert le penalty. ballon à son Bizarre. arbitre. Bon, c'est pas grave. On va pas aller chercher le penalty, on gagne déjà 4-0. Alvarez. Pour l'instant. Même Alvaro Meria qui González. pousse, qui fait un pressing très haut pour l'instant. C'est normal. Dans le dos de la défense. Non, 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 non. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Qu'est-ce qu'il y Oh, a? il ne s'est même pas intéressé au ballon, l'arbitre sort un carton jaune et ça aurait pu même être C'est un rouge. petit peu sévère quand même, non? Disons que c'est une faute intelligente. Il Oh, savait c'est s'y un petit poser peu et il sévère a le fait carton là l'équilibre. quand même. Un petit peu sévère. Hein. Il y a faute peut-être, mais un D'ici, il petit peut peu très sévère bien tenter une frappe directe. C'est direct et c'est le trop carton. adroite. Mais bon, je comprends le Meria. Ils veulent se racheter. Mais bon, l'arbitre a toujours les cartons un peu faciles. Carlos Saucedo. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est dommage. Allez, faut y aller Oh, là. ça peut être intéressant. Et pourquoi pas la frappe? Allez, faut y aller. 2 minutes de temps additionnel. Et l'arbitre Et qui met c'est un la tir mi-temps dans de ce cette première match. période. Et ben dites-moi, première période un petit peu, Quelle efficacité allez, on va offensive. dire facile. Normalement, ils sont déjà à l'abri dans cette rencontre. Facile, très facile même. Une très bonne reprise avec plan de jeu. On va essayer de faire quelques petits changements là. Ça sert à rien de faire jouer des joueurs 90 minutes. Stuani peut rentrer. Abraham aussi à la place de Tanger. Et puis à la place de Sergio Garcia, bon, on va attendre un petit peu le troisième changement, on sait jamais, il peut y avoir un blessé en cours de route. On sait jamais. On va voir. On a fait quelques petits Et c'est le coup changements. d'envoi, encore 45 C'est minutes. normal, je pense qu'on peut se le permettre pour l'instant. Faire sortir ces joueurs cadres là. Voilà, la mairie Oh, qui. il est parti là! Allez. Il est sur le Bien côté. joué. Allez gardien. Tu Il t'imposes le gardien frappe! là. C'est au fond des filets! Mais tu t'imposes le gardien là. Même si c'est hors jeu, tu la prends. Oh, il l'a jugé hors jeu, ce Bah but attends, le ne sera gardien pas là. validé. Le Oui, gardien, c'est tu la dommage, il y a prends. hors jeu, effectivement. L'arbitre ne reviendra Bah ouais, pas mais là, sur sa décision. Le gardien, il s'impose complètement là. Il met même pas les mains, le gardien là. Je sais pas ce qu'il veut faire, il veut mettre une tête ou. Enfin, c'est bizarre.
Il met même pas la main, là le gardien il s'impose. Hein. En plus il est largement grand. Alvaro González. C'est parti. On construit. Voilà, on prend le temps. Alvaro après tout, on ne court plus après le score. Faire attention. Surtout à ne pas perdre des ballons facilement. Voilà. Abraham. Oh, ça peut être intéressant. Il y a faute là. Chose, mais on le voit, il est effectivement hors jeu. D'accord, d'accord. Là, on a bien vu le hors jeu quand même aussi. Un très long ballon. Sergio Garcia maintenant. Bien joué, Sergio. Estuani. Simao qui frappe. Oh là là. Heureusement que le défenseur était là, je pense. Quelle allez, bravo. Dans cette surface, on va surveiller des contacts au moment du corner. Rarement vu. Oh là 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 là. Re. Ouais, re là. Re corner. Dans cette surface, on va surveiller des contacts au moment du corner. Coup de pied arrêté, on est vraiment très dangereux. Oh, et voilà. Encore un but. Et c'est le but. Déjà sûr, mais il continue. Il continue. Doublé de Sergio. Ouais, sort du coup de pied arrêté, on est toujours dangereux. Bien joué, Sergio. Profil type de ce joueur là, très bon de la tête, là qui la met très très bien. Ni le défenseur qui est au premier poteau, ni le gardien n'a le temps de réagir. Vous voyez, il passe vraiment entre les deux là. C'est superbement bien joué. Très bon corner d'Abraham aussi. Le mentionner, ouais, voilà, magnifique. Je pense que Sergio c'est bon, il maîtrise complètement va pouvoir le match un petit peu souffler sur le banc aussi. Lui, et bah, dites-moi, vous êtes gâté pour cette reprise de cette Master League. Il y a des buts, mieux faire sur ces passes. Beaucoup même, bien ça. Longue ouverture. Ah bah oui, un petit temps de retard. Ah, un tout petit temps de retard, dommage. Tout seul. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Là. Alvarez. Hop, de l'autre côté. Voilà, c'est bon ça. Bien joué. Vraiment, moi, cette équipe URC d'Espagnol me plaît énormément. C'est vrai que c'est tentant quand même sur cet opus de 2015 là de reprendre cette équipe, de voir un petit peu ce qui a changé. C'est vrai que ça serait intéressant de la reprendre quand même. Ce serait un bon défi de voir ce qui a changé. Bastiani. Bien joué. Elle était facile cette passe pourtant. Ouais, les joueurs d'Almeria qui essayent d'être présents sur toutes les passes de mon équipe là, ils veulent contrer le ballon. Raúl Rodriguez. Ça se sent qu'ils veulent sauver leur honneur. Alvaro González. Ils vont tout faire pour essayer d'avoir une dernière occasion. À nous de ne pas leur laisser l'opportunité. Un long ballon dans l'espace. Ah, c'est bien joué ça. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Ah, Sergio là. Allez, ça doit faire but. Oh, la main fait. Oh là là là. Je crois qu'il y a péno. L'arbitre va siffler pénalty. Il y a pénalty, effectivement. Oui. Pénalty. Oui, 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 oui. Décision normale. Oui. Il y a des fautes. Là, je crois qu'il y a faute. Bon, ils ont réussi à éteindre le feu pour l'instant, mais attention quand même. Là, il y a une grosse faute. C'est une occasion unique de prendre le large. Il faut réussir son geste. On va essayer de. On va mettre Simao. Simao, parce qu'il a valeur, Simao là. Oh, magnifique! 6 à 0, but de Simao sur ce penalty. Eh ben, dites-moi, vous êtes gâtés.
très très beau pénalty. Il rentre avec la barre transversale, je crois. Un petit peu. Ah ouais, ouais. Après, le contre-pied est parfait. Oh, magnifique pénalty. Là, vraiment, on a été réaliste à tous les points de vue. Bien, bien joué, Simao. Oh, magnifique pénalty. Plein de sang-froid, là. Simao. Allez, on va faire sortir Sergio. Oh, Simao, plutôt. On va faire sortir Simao à la place d'Alex. Cramé, Simao. Marcelo Silva. Bien joué. Oh ouais, Sergio, bien. Belle interception encore. Que d'erreur de la défense d'Almeria, là. Que d'erreur. Perte de ballon trop facilement. Olé. Alvaro González. Olé. Coloto. Olé. Alvaro González. Olé. Olé. Que de réalisme Alvaro dans cette équipe, González. Vraiment. C'est impressionnant. Coloto. Olé. Et encore, je suis pas méchant, je fais tourner, hein. Je cherche pas forcément à tout le temps aller vers le but. Parce que je sens qu'Almeria est vraiment, vraiment vulnérable. Et ce ballon sur l'aile. Ah non, c'est perdu. Ça peut être extrêmement dangereux. Allez, une petite tête. Voilà, c'est bien. Coloto. Eh ben, dites-moi. Pour un match reprise, c'est plutôt pas mal. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Et le ballon est récupéré. Oh là 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 là, les tacles vraiment imparables. C'est le moment de centrer. Attention, coup franc dangereux à suivre. Une petite faute. Ouais, effectivement, il y a une petite faute. Allez. Faut être présent défensivement, ça c'est important aussi de ne pas en encaisser. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Centre travaillé dans la surface. Bien joué. Il ne faut pas les laisser faire leur... Oh, bien joué, gardien. Le gardien était présent cette fois. Alvarez cherche à créer un décalage. Alvaro González. Sergio Garcia. Je veux dire que Abraham a vraiment, vraiment bien remplacé Torgé, là. Sergio Garcia, maintenant. Là-haut, là. Abraham, voilà. Le voilà. Il remplace bien Torgé, lui. Un petit peu le même profil de... La tentative. Pénalty. Oh, bah, dis donc. Il y avait vraiment, vraiment un gros manque de chance d'Almeria. Disons que c'est oh là là. Il savait ce qu'il faisait. Je crois qu'il y avait effectivement par faute là. Oh oui, oui, oui. Oui. Oh, le bon moment pour faire le break. Allez, celui-là, on va l'offrir à Stuani. Oh là. Bel arrêt du gardien. Bel arrêt du gardien. Bon, allez. C'est pas grave. Marcelo Silva. 4 grosses minutes de temps additionnel selon l'assistant. Et c'est la fin du match. Score vraiment logique, hein. Almeria qui a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs défensives. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre. 6-0. Énorme, vraiment énorme. Je vous gagne vraiment. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce match là. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt, salut. Et le score aurait pu être encore plus sévère si Stuani avait géré ses penalties. Donc, on va pas de la caver, ça sert à rien. 6-0, c'est énorme. Allez, victoire du Real 2-1. Atlético qui a fait match nul contre Valence. Le Barça aussi. Et Séville. Perdu la Bilbao. D'accord. C'est bien, on est toujours sur notre lancée.
vraiment réaliser un très très gros match là. On va même pouvoir faire tourner, je pense, là. On peut se le permettre. On a largement assez de points d'avance, même si là je fais un match nul, vraiment je ne vais pas m'en vouloir contre Grenade. Faire jouer un petit peu les remplaçants là, ça peut avoir son importance. Allez, on va essayer de faire tourner. On va mettre Wanyama là déjà. Stuani à la place de Caicedo. On va mettre Abraham à la place de Tanger. Simao, on va mettre Manu. Trigueros, Salva Sevilla. Ensuite, au niveau de la défense, qu'est-ce qu'on peut faire comme changement au niveau de la défense? Javi Lopez, ça peut être important ça aussi. Javi Lopez, voilà. Là, côté gauche, on peut faire jouer Capdevila par exemple. Voilà, Capdevila. On va faire tourner un peu. Sergio Garcia, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de Sergio Garcia? Je crois qu'on avait encore un attaquant, on avait Thievi. Ouais, on avait Thievi. Donc on va mettre Thievi. On va mettre Sergio ici. À la place. Bon, on va mettre là Sergio. Voilà, Cagnas. On peut mettre sur le banc aussi, lui. Cagnas, la place de Simao par exemple. Voilà. Et ce sera tout pour ces changements. Voilà. Je pense que là, on va voir un petit peu ce que ça va donner, ces petits changements là. Voilà. C'est parti. Par contre, le coup, il y avait des coups de pied arrêtés. J'ai pas changé, je crois. Les bouffons. Ok. De corner, je crois qu'Abraham était pas mal tout à l'heure. Sur le corner, on va lui donner. Corner, corner, Abraham. On peut mettre ici, on va mettre Stuani. Voilà, ça peut être intéressant. C'est important aussi de savoir faire tourner son effectif. Allez, on joue à l'extérieur à Grenade. Grenade qui est très très loin d'être évident. Et nous, on va changer un peu de couleur, on va jouer comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour ce match. Deuxième déjà. Ça passe vite. Vous allez voir, les temps de chargement sur le PES 2015 sont beaucoup plus courts. On fait tout de suite la différence. Il y a un moment que j'ai pas rejoué à la démo, mais on fait tout de suite la différence. C'est pas du tout pareil. Voilà, une grosse ambiance à Grenade. Estadio Nuevo Los Carmones. Grenade. C'est parti pour ce match de championnat à nouveau. Allez, c'est au moment de au remplaçant de se démarquer un petit peu de l'équipe, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Allez, c'est parti, le match commence. Tout de suite. Position pour centrer. Bonne défense. Allez. On n'est pas modéré dans les efforts. Faut continuer à défendre. C'est dangereux là, ces ballons là. Il y a une tête là-dessus. Il reçoit le ballon. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Il tente la tête. Ouais, voilà. Ouverture du score de Grenade. Je m'en serais douté. Et voici l'ouverture. Et du oui. Score. Ça c'est très très courant. Ça c'est. Ces centres tel but, il fallait pas le laisser centrer, j'en étais sûr.
Eh oui, j'en étais sûr. Il fallait pas le laisser centrer. Le gardien, je me demande où il est. Le défenseur, n'en parlons pas. Eh oui. L'IA s'est marqué un but très très facilement là. Mais c'est bien, ça nous met en difficulté. Ça nous met en difficulté. À nous de répondre maintenant. C'est bien. Ça nous fait vraiment Lazaros. Du bien là, ce match. Cap de Villa. Enyama qui récupère ce mauvais dégagement. Faut tirer là. Attention, c'est dangereux. Ça va nous faire du bien ce match là. Quel geste. À distance pour tirer. Voilà. C'est dégagé loin devant. Au dernier moment, ils ont récupéré ce ballon. C'est bien, c'est bien. En tout cas, ça va nous faire comprendre que chaque match a ses difficultés. Ça va, Sevilla. Et l'Arabie. Ah, il peut mieux faire sur ses passes. Allez, Wanyama là. Capable de mieux faire que ça. Là. Il cherche ses attaquants. Allez, une tête. Ah non, c'est bien. Perdu. TLV. Abraham. Solution. Oui, il peut frapper. Oh, belle frappe d'Abraham. Ouais, une belle frappe lui aussi. Ça n'était pas un ballon facile, mais là, ah, tu aurais pu la récupérer, Abraham, là, à quelque chose près. C'était possible. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Il glisse le ballon en profondeur. Il prend sa chance. Et c'est l'égalisation. Et ils sont revenus à hauteur. Thierry. Quelle force de caractère. Qui égalise. Ils vont pas en rester là. Oh non. On ne reste jamais là. Qui est passé au travers, ou l'attaquant qui est exceptionnel. C'est bien, c'est bien. Il a bien expliqué ça va nous durcir un peu la tâche sur ce match. C'est très difficile de l'arrêter. But. C'est un petit peu lassant quand c'est trop facile. C'est bien. On a répondu tout de suite. Très très bonne ouverture du Stuani là. Et Thievi qui concrétise parfaitement. C'est bien. Je suis content. On a très vite répondu à l'ouverture du score de Grenade. Le jeu reprend sur un score de parité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Oh. Des occasions dans ce match. Il va encore y en avoir, ça c'est sûr. Estuani, comme celle-là par exemple. Oh, oh oui. Il fallait que le gardien s'interpose là, car c'était cadré. Attention corner. Abraham les tire vraiment très bien. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Allez. Ça va, Sevilla. C'est bien, ça va. Il possède du ballon, ça peut faire mal. Oh, ça peut être intéressant. Oh. Et but pour l'Espagnol. Et c'est le but. La situation complètement inversée. Ouais. On a très vite inversé la tendance là. C'est bien ça. Quelle intelligence dans la finition. Mais je vous avais dit que ce corner allait être dangereux. C'était obligé. On est très vite revenu au score là. Magnifique but. Ça va mettre Thierry un peu en confiance. Ils ont réussi à renverser la situation, mais peuvent-ils. Bien joué, c'est Wanyama là. Bien joué, Wanyama. Thierry. Chercher Stuani là. Ah, c'est dommage. Le défenseur qui a été plus rapide qu'Abraham là. Voilà noté. Allez. Et l'Arabi. Allez. Et oui, il faut. Franc. Non, mais c'est sûr. Carton rouge. Oh, ça a l'air sévère vu d'en haut de la tribune. En tout cas, lui a l'air d'être surpris de cette décision de l'arbitre. Ses coéquipiers viennent prendre de ses nouvelles. Eh bien, nous, on a l'art et la manière de se mettre en difficulté.
bien revoir ça quand même. Ouais. Très bien. Là, on est vraiment mis à difficulté cette fois, Capdevila, qui a pris un rouge. Ce contre peut très bien aller au bout. Alors, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est que réduit à 10. Voilà, on est vraiment en difficulté. La Grenade va en profiter. Ah, dommage, il a manqué un petit quelque chose. Et bien là, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre à nous, en réduit à 10. Javi Lopez. Ça nous est pas arrivé souvent, ça. Colotto. Javi Lopez. Les arbitres qui ne plaisantent pas. Enyama. Salva Sevilla. Oh là 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 là. Là, je pense qu'il y avait quelque chose aussi. Hein. Je pense qu'il y avait quelque chose. Il faut y aller. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore, monsieur l'arbitre là? Oh. On sent tout de suite que l'IA a repris les choses en main. Là, c'est sûr et certain que là, ça peut être extrêmement dangereux. L'IA ne veut pas se faire reprendre 6-0, c'est sûr. C'est bien, c'est bien. C'est un joli défi là. Et croyez-moi qu'on va répondre présent, même réduit à 10. Allez, bon, Abraham là, tu vas. Ouais, il peut choisir de centrer. Corner. La corner, c'est obligé. Oui. Quelle activité dans cette surface, on va surveiller les contacts au moment du corner. Dommage. Tout de suite. Il peut donner son ballon. Je le sens pas ça. Parce que là, de ce côté-là, il y a un trou maintenant. Bonne notée. Oh, là, là, il y a du cafouillage. Sioni, bon pressing. Il est bien servi. Oh, mais là. Ouais. Hors jeu. Bien vu. Raúl Rodriguez, il joue dans la profondeur. Eh bien, moi, je sais pas vous, mais je pense qu'il est loin d'être fini ce match. Il peut encore se passer des choses. L'IA a envie de reprendre les choses en main. Et moi, j'ai pas envie de céder. Donc ça va être dur. Salva Sevilla. Attention à cette passe lobée. Abraham, c'est soit tu fais l'appel, soit tu fais rien. Mais à ce moment-là, voilà. Parce que là, Raúl Rodriguez cherche la verticalité. La grenade qui va nous rendre les choses très très compliquées. C'est obligé. Il ne trouve personne. Voilà, voilà. Tous mes défenseurs qui passent au travers. C'est hallucinant. C'est bien joué avec cette feinte avant de tirer. Il a pas marqué. Quand l'IA a envie de reprendre les choses en main, non, mais quel sang-froid. Vous avez les défenseurs, c'est des feuilles à papier. Superbe. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Il se reprend tout de suite. Allez. Lazaros. Allez les gars. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Que ça va partir vite. Allez Wanyama, tu vas là. Oh. C'est bien beau de regarder le ballon, mais faut y aller là. Salva Sevilla. Faut pas rester comme ça. Il joue dans l'espace. Allez, Stuani. Et pourquoi pas la frappe. Oh, bel arrêt. Bien joué. C'était bien combiné là, dans un mouchoir de poche. C'est bien ça, c'est bien vu. Un corner. Quelle activité dans cette surface, on va surveiller les contacts au moment du corner. Voilà, Abraham. Dommage.
Allez, faut sortir là, faut tout de suite revenir parce que là il y a du 3 contre 2. Oh là 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 là. Et oui. Bien joué. Bien joué. Il récupère le ballon. Oui là. Oh là là là, c'est très compliqué. Tu l'arrêtes. Oh là 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 là. Là l'IA a vraiment repris les choses en main. Faire un pressing là, c'est hallucinant. Elle a tout fait pour récupérer ce ballon. Pour essayer de lober ce gardien là. Mais là, je vous ai dit, j'ai pas envie de lui faire de cadeau non plus. Intervention décisive, il y avait danger. Ça peut être intéressant. Aïe. Salva Sevilla. Lazaros. Allez, Sioni là, déclenche une frappe. Quelle occasion, attention. Oh là, dommage. Oh, quel bel arrêt. Incroyable. Il faut les faire douter. Il se crée des occasions, mais on va en avoir aussi. Ah, j'aime bien jouer des matchs comme ça, quand c'est bien dur là. C'est chaud sur ce corner. Ça maintient le niveau. Allez, tout de suite un bleu là. Voilà, c'est bien. La frappe peut-être. Salva Sevilla. Joué. Salva Sevilla. C'est passé. Oui. Oh non, c'était pas ça du tout. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche là. Ah, oh, Stuani, tu y vas. Tu y vas 15 fois, Stuani là. Allez, la même. Et c'est le but. Il compte maintenant 2 buts. Superbe. En pleine lutte. Troisième but là. On aura poussé jusqu'au bout là pour aller chercher ce but qui nous fait énormément de bien. Oh, superbe talonnade là. Magnifique but de Stuani. Ça nous enlève une sacrée épine du pied. Bien joué. C'est reparti. Il y a maintenant 2 buts d'écart. Avec tous les changements qu'on avait fait. Bon, je vais pas dire que on joue complètement avec une équipe bis, mais complètement remanié offensivement, ça c'est sûr. Attention, faut y aller là. Oh, ça peut être intéressant. Ouais, c'est bien ça. C'est magnifique. Il remporte son duel. Oui, c'est bien. Allez, faut aller vers le ballon. Faut pas reculer, faut aller vers le ballon, voilà. Lazaros. C'est bien ça. Elle était facile, cette passe, pour perd un peu trop facilement le ballon au milieu de terrain. Ça, c'est dangereux. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est sur le côté. Bien joué, bon tacle. Allez, gardien, tu y vas là. C'est bien. Un centre dans l'axe pour personne. C'est bien ça. J'aime bien les matchs comme ça. Ça maintient vraiment Salva Sevilla. Une concentration pendant 90 minutes. C'est pas mal. Très longue passe. Allez, TV. Lazaros. C'est bien ça, Manu. Et Niyama. Oh, Niyama. Lazaros. Attention, c'est dangereux ça. Javi Lopez. Bah, ça s'est pas trop faire sentir le fait qu'on soit réduit à 10. Il reçoit le ballon. Ça va pour l'instant. Lazaros. Quand on veut garder le ballon, on y arrive. Très facilement même. Il peut y aller. Il va frapper. Ah, il tire. Oh, alors là, il ne prend aucun risque. C'est dommage. Il n'a pas cru jusqu'au bout, TV là. Il a une solution. Et Manu. Moins de 5 minutes avant la fin du match. Ça va. Ça va, Sevilla. Et Manu. Allez, Abraham. Il frappe au but. Oh là 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 là. Quel but. Dans un trou de souris là. Abraham, magnifique. Tout est parti d'un ballon perdu près de la butte et quelques secondes seulement plus tard, il était dedans. Là, c'est allé très très vite. Magnifique là. Oh,
Quelle belle déviation de Stioni là sur cette talonnade. Hop, oh là 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 là. Et Abraham qui met un magnifique but. Oh, en faisant tout de souris là vraiment. Je pense que là, ça va assez bien. Qui fait le pressing, qui récupère le ballon. Très bien même. Jusqu'au bout. Voilà, faut jamais lâcher. Il la donne à Stioni qui fait une talonnade. Qui ouvre Abraham sur le côté. Voilà. Et regardez-moi ce but dans un trou. Souris vraiment là. Hop. Oh, magnifique. C'est vraiment très joli but. Hein, ouais. Et bah, réduit à 10. On s'est plutôt pas mal débrouillé. C'est bon. Trois buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. Très rapidement, même réduit à 17. C'était en première période tout à l'heure. Allez, Wanyama. C'est bien. Très grand, lui. Il récupère facilement le ballon de la tête. Lazaros. On va jouer 2 minutes de plus. C'est bien ça. 2 minutes de plus de plaisir. Wanyama cherche la verticalité. Allez, c'est parti. Là, pour des remplaçants. Bravo. Le match est gagné, 4-1. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs. Et oui. Après un tel scénario, rester calme dans un tel match et renverser la situation. Quel oui. match ils ont réalisé. Oh, oui. C'était pas mal. L'efficacité, c'est ce genre de match qui m'a rendu amoureux du football. Oui, c'était pas mal. C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous. Victoire encore. On était très rapidement réduit à 10 après l'exclusion de Capdevila. Mais on a encore répondu présent. Eh bien écoutez, c'est pas mal. 4-1. Magnifique. C'est bien. Ce genre de match-là, ça nous fait rappeler que rien n'est joué d'avance. C'est bien. On va en avoir des matchs compliqués, c'est sûr. Les échéances à venir vont être pas mal aussi, je crois. Là, c'est Valladolid, je crois, si je me trompe pas. Ah, c'est ça. À la maison. Joueur suspendu, ça c'est vrai. Joueur qui aura reprise leur équipe nationale en match amicaux vient de revenir. On est un peu fatigué, ça c'est sûr. D'accord. Alors, on va voir un peu le calendrier, voir ce qui nous attend. Ok, Barça, Séville. Ça réel, d'accord. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez adoré. Hein. Vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permettra un petit peu de discuter avec vous. Et puis, bah, on se retrouvera très très prochainement. Vous voyez, hein, pour les échéances à venir, ça va être assez intéressant. Hein, les matchs qui vont arriver, donc vous en faites pas, on se retrouve très très bientôt pour la suite de cette Master League. En attendant, moi je vous dis à bientôt et pour la suite de nos aventures. Allez, portez-vous bien, salut.